Lancement du programme pour la réponse aux violences basées sur le genre, un programme du ministère du genre en collaboration avec les experts du ministère de la Santé. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 19h sur la chaîne nationale. Direction l'Est de la République démocratique du Congo, où la situation devient de plus en plus préoccupante pour des solutions idoines. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier une réunion du Conseil de sécurité. Parmi les mesures, l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda accrédité en République démocratique du Congo. Les comptes rendus de cette réunion avec le porte-parole du gouvernement. Suivez. À la lumière des différents rapports recueillis sur terrain, dont celui du Centre conjoint des opérations équipé des drones de surveillance, il a été observé ces derniers jours une arrivée massive des éléments de l'armée rwandaise pour appuyer les terroristes du M23 en vue d'une offensive générale contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de la défense a rappelé que cette offensive du M23, appuyée par l'armée rwandaise, vient de porter un énième coup au processus de paix de Nairobi et de Luanda engagé depuis plusieurs mois. Cette aventure criminelle et terroriste a rencontré une farouche résistance de forces armées de la République démocratique du Congo, déterminées à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Les conseils supérieurs de la défense demandent au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification Monsieur Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qu'il instrumentalise à cette fin. Et d'autre part, du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda, que des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADC et des partenaires multilatéraux. Clôture hier de la session de validation technique des schémas informatiques du système de gestion intégrée de l'administration publique. C'est pour appuyer l'exécution du plan directeur du système d'information de l'administration et des services publics, nous dit Nono Masekou. La session de validation technique des schémas directeurs informatiques du système de gestion intégrée de l'administration publique s'est clôturée le 29 octobre 2022. C'est Séraphin Oumba, KPP, directeur des cabinets du ministre de PTNTIC, qui a procédé à cette clôture. À cette occasion, Séraphin Oumba a, au nom du ministre Augustin Kibasa, félicité les participants à ces travaux qui, durant 2 jours, ont fait preuve des rigueurs de l'analyse des schémas directeurs proposés par la compagnie africaine de révision des entreprises Coares en sigle. Tout en rendant un vibrant hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui sous son impulsion, le gouvernement, par les biais du ministère de PTNTIC, met en œuvre le plan national du numérique. Pour le représentant du ministre Augustin Kibasa, le gouvernement est convaincu que ces assises serviront de levier pour préparer enfin de manière cohérente la numérisation et affermir la bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique. Sur ce, je déclare au nom de son Excellence, Monsieur le ministre Kibasa Maliba, ministre des PTNTIC, clôt les travaux de la session de validation. Le gouvernement de la République est appelé par le ministère des Postes, Télécommunications, Nouvelles Technologies, de l'Information et de la Communication à élaborer les schémas directeurs informatiques sectoriels en vue de préparer la digitalisation des services publics ou l'administration, qui est une priorité dans la vision du chef de l'État déclinée dans le plan national du numérique. Les projets de développement liés à la promotion de la femme en République démocratique du Congo étaient au centre des discussions entre la délégation de la Banque mondiale et la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse et de lutte contre les violences faites à la femme, Junior Yangumba. La conseillère spéciale du chef de l'État, Madame Chantal Yoloumoulop, heureuse d'avoir reçu dans son cabinet de travail en date du 26 octobre 2022 une forte délégation de la Banque mondiale.
conduite par son directeur. Les échanges très fructueux ont tourné autour de l'appui que cette institution monétaire internationale a accordé aux activités de son bureau en 2022 dans le cadre de l'exercice 2023. Ils ont échangé sur la possibilité d'obtenir l'appui aux différents projets de développement et de promotion des droits des femmes, notamment la lutte contre l'impunité des violences sexuelles à travers la mise en œuvre de plans d'action budgétés du Fonds social de la République démocratique du Congo qui sera bientôt validé. La Banque mondiale très convenue de renforcer davantage ce partenariat. Après cette rencontre avec la délégation de la Banque mondiale, la conseillère spéciale a pris part le 26 octobre 2022, le même jour au fleuve Congo Hôtel. Au lancement de la phase 2 de la campagne de sensibilisation initiée par l'Alliance internationale des femmes avocates, AIFA en sigle. Cette dernière prône une société égalitaire, tout en œuvrant dans la défense, la promotion et le soutien des femmes, enfants, personnes vulnérables en RDC. Ici est de souligner que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est personnellement engagé à lutter contre toute forme de violence faite à la femme et à la fille, ce qui justifie entre autres sa nomination en tant que conseiller spécial en charge de cette question. La lettre de mission, ces documents administratifs étaient au centre de la formation à l'intention des experts de la primature et c'est du ministère de plan. Nous dit Peggy Mukunda. Pendant deux jours, les experts de la direction des suivis évaluation des politiques du secrétariat général à la primature, des experts du conseil présidentiel des veilles stratégiques et de la direction d'études et planification de l'administration publique seront outillés, formés et sensibilisés sur l'élaboration des lettres de mission. Formation initiée par le ministère du plan à travers le Sénarec après le rendez-vous de la bonne gouvernance tenu dernièrement pour renforcer la politique nationale. Je voudrais rendre hommage au Premier ministre, Son Excellence Michel Sama Lukonde Kyenge, pour sa détermination à impulser la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement en soumettant tous les membres de son équipe à un exercice de redevabilité à travers les lettres de mission, outils de suivi évaluation, ce qui permettra de répondre aux aspirations de nos populations. Je tiens à exprimer toute ma gratitude au PNUD et à travers lui, le Royaume de Suède, pour son accompagnement soutenu au gouvernement congolais dans ses efforts visant l'amélioration des conditions socio-économiques. Ensemble, ils vont réfléchir sur le processus et mécanisme de suivi, évaluation des lettres de mission afin d'atteindre l'objectif fixé. Quelques services de protocole et des courriers de la Cour constitutionnelle viennent d'être dotés de deux bus Pimpin neufs. Le président de cette haute juridiction du pays a remis ces bus aux services concernés, nous dit Jean-Pierre Ndolo Demazou. Améliorer les conditions de travail des agents et cadres de la Cour constitutionnelle, c'est là une préoccupation majeure du président de la plus haute juridiction du pays, Dieudonné Kamouleta. On en veut pour preuve la remise de deux minibus flambant neufs en faveur de deux services importants, le protocole et le service courrier. Le président Kamouleta a demandé aux bénéficiaires d'en faire bon usage. Un geste de cette nature est la première depuis que la Cour existe en République démocratique du Congo. Face à la presse qui constate que les choses bougent positivement depuis l'avènement du président Dieudonné Kamouleta à la tête de cette juridiction fêtière, le premier d'entre les magistrats congolais n'a pas manqué de réagir. Il y a une nouvelle dynamique que nous devons imprimer au travail que nous faisons. La Cour constitutionnelle, c'est la plus haute juridiction du pays et l'image de cette Cour doit être brillante même à l'extérieur. Ce sont deux outils de travail. Avec ces deux outils de travail, nous pensons que c'est un pas pour l'amélioration des conditions de travail et nous y tenons. Progressivement, je crois qu'on pourra atteindre tous les autres services afin que nous puissions avoir un roulement efficient. Les deux véhicules sont opérationnels illico presto et ce, dans la plus grande joie des membres du cabinet du président Kamouleta qui ont salué ce geste, preuve qu'un nouveau leadership est en place à la Cour constitutionnelle. Comme vous le saviez, un programme vient d'être lancé pour protéger les victimes de violences basées sur le genre en République démocratique du Congo. Les experts du ministère du genre, C de la Santé et de l'ASBEL sans rue étaient en formation pour la matérialisation de ces projets d'intérêt national, nous dit
Constance Mananga. Les violences sexuelles constituent un sérieux problème de santé publique. De plus en plus, des abus, exploitations et harcèlement sexuels ont été constatés pendant la période de la pandémie à COVID-19, d'où la nécessité d'une réponse holistique. Voilà pourquoi les ministères du genre, de la santé et Sanru Asbel se sont retrouvés en atelier pendant 2 jours avec leurs partenaires de 4 provinces de l'Équateur et Kinshasa pour avoir une compréhension commune du projet. Au vu de ce qu'on avait trouvé, on s'est dit qu'il faudrait que nous puissions mettre en place ce projet pour sensibiliser la population et les communautés sur les faits qui sont en train de les guetter pour qu'ils puissent être pris en charge. Un projet de protection et gestion des violences sexuelles qui doit être mené pour outiller les bénéficiaires afin de se protéger contre les abus de tous ordres. Ce projet, c'est le projet de développement des systèmes de santé, le projet multisectoriel de nutrition de la santé. Un programme lancé par la directrice du programme national de la santé de la reproduction, Dr Anne-Marie Toumba. Sanru Asbel assure la mise en œuvre de ces programmes d'une année avec possibilité de les renouveler sous le financement de la Banque mondiale à travers le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. Victimes de violences humaines dans les conflits Tékéyaka, la population déplacée des Kwamouth a bénéficié de l'assistance en vivres et non-vivres, dont du gouverneur Jean-Marie Petit-Petit. Plus de détails dans ce reportage. Les déplacés du conflit Tékéyaka, stationnés à Kenge et 316 dans la province du Kwango, peuvent pousser un ouf de soulagement après la distribution de l'aide humanitaire leur destinée. Ils ont désormais de quoi manger et se mettre à l'abri de certaines intempéries dans leur site de transit, tel que l'est dit Jean-Marie Petit-Petit Tamata, gouverneur de la province du Kwango. Tous ces déplacés que vous avez vus ici viennent de Kwamoto, viennent aussi de Kwilo. Il va de soi que nous devons les assister. Et pour cela, je remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République, et son Excellence, le Premier ministre, Samuel Koundé. Le mouvement national a été représenté par le ministre des Affaires sociales, qui en personne est venu ici, avec des vivres, pour essayer d'aider cette population. Ils ont tout ce qu'il faut, ils ont du riz, ils ont de l'huile, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir se nourrir. Et le reste, nous continuons à faire ce travail-là. Au-delà de cette assistance humanitaire, le gouvernement de la République tient à ramener la paix à Kwamouth et mettre rapidement fin au conflit Tékéyaka qui a fait beaucoup de ravages et de victimes. Réuni en Conseil des ministres, le gouvernement provincial du Haut-Ouélé a arrêté un train de mesures pour lutter contre la criminalité qui bat son plein dans cette partie du pays, ce avant d'adopter les projets de loi pour les lotissements à Bolé-Bolé. Suivez. Au cours de cette réunion du Conseil des ministres, présidée par le vice-gouverneur du Haut-Ouélé, Christian Pitanga-Mangandro, plusieurs points sont évoqués, dont l'éducation, l'aménagement de territoire et la sécurité. Le ministre provincial de l'Intérieur a présenté l'état de la province du Haut-Ouélé, qui demeure calme. Niangara, les présumés assassins Haruna et Rambo de M. Trésor Motalimbo, lâchement abattu, continue à être recherché par les services spécialisés. Au sujet de l'éducation, le gouvernement provincial mise sur le renforcement de la politique de la gratuité de l'enseignement de base. La réforme pré-rappelée est réalisée, quand bien même est marquée par quelques défis. Après le lotissement à Bolé-Bolé en chefferie et même B dans le territoire de Wamba, le gouvernement provincial franchit l'étape suivante. Le ministre provincial Affaires foncières a présenté l'économie du projet d'arrêté portant création d'un lotissement moderne dénommé Bolé-Bolé B, chefferie Balikatoriko. Le dit projet d'arrêté a été adopté à l'unanimité par le Conseil. Dans les mêmes secteurs, le gouverneur Christophe Bassian Nanga avait déjà loti Kapsa Aïsiro et entend poursuivre cet élan sur l'ensemble de la province, selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en la matière. Reprise du trafic sur l'axe routier Bounia et Fataki. C'est grâce au ratissage opéré par le FARDC dans cette zone opérationnelle. Suivez.
Pataki, centre de négoce du secteur de Walendoujati, en territoire de Djougou, à environ 80 km au nord de Bounia, stabilisé et sécurisé de mètres et mètres par les forces armées. La population qui avait fui ses habitations avant l'instauration de l'état de siège est de retour depuis plusieurs mois. Les activités socio-économiques tournent normalement, témoignent deux habitants. Parce que nous sommes des chauffeurs de l'axe Bounia-Mahagi, sur l'axe routier Bounia-Mahagi, sur la route principale. On constate vraiment que ça règne un peu d'accalmie depuis un certain moment. Il y a la population qui commence à regagner la maison parce qu'avant, quand on passait la nuit ici sur les barrières des fonaires, vraiment on passait la nuit seul ici, seulement qu'il y a des chauffeurs ici. Mais ces derniers temps, on constate quand même qu'il y a des gens qui commencent à retourner ici à Fataki. Hormis Fataki, d'autres agglomérations en territoire de Djougou, Irumou et Mahagi ont été également stabilisées par les forces armées sous le commandement du gouverneur militaire, le lieutenant général Lubuya Kachama Johnny, durant le premier mois de l'état de siège. Le gouverneur de la province du Kasaï central a effectué une visite d'inspection des travaux de la voirie urbaine à Kananga, ce après son lancement par le président de la République. Suivez. Le gouverneur de la province du Kasaï central, Djoukabeya Chikaï, a effectué ce mardi 25 octobre 2022 une visite d'inspection. Le constat parle de lui-même. Sur l'avenue Dibindi au quartier Kamulabi, le numéro 1 du Kasaï central a salué l'évolution des travaux exécutés par l'entreprise Safrimex, qui avance rapidement à la grande satisfaction de tous. Selon Jimmy Kouba, directeur provincial de l'OVD en tant que maître d'ouvrage,
plénière précédente, à savoir audition et approbation du rapport de la commission mixte PAJ-ECOFIN relatif à l'examen approfondi de la proposition de dit portant création d'un fonds d'appui au secteur agricole dans la ville de Kinshasa. Au cours de cette même plénière, les députés provinciaux ont adopté plusieurs rapports, notamment le rapport de la commission ECOFIN sur l'octroi et l'utilisation des plaques de l'hôtel des villes de Kinshasa et celui portant sur la situation de la société New Transkin. La tenue du forum sur le développement de l'espace Grand Oriental a une date connue. C'est au cours de la réunion présidée hier par Mgr Marcel Outebi, archevêque de Kinsangani, que tout a été fixé, nous dit Marcel Mubenga. Il va se tenir du 27 au 30 décembre prochain le forum sur la politique, la sécurité et le développement de l'espace Grand Oriental qui regroupe les provinces de la Tchopo, de l'Ituri, des Hautes et Bas-Ouélé. En prévision de la tenue de ces assises, les fils et filles de cette partie de la République se sont retrouvés autour de l'archevêque de Kisangani, Mgr Marcel Outebi, pour faire les projections sur ce que sera effectivement ce forum. Je suis très satisfait, très content de voir que les projets de la tenue d'un forum au niveau de l'espace Grand Oriental, regroupant les fils et filles de cette partie de la République, ça commence à prendre forme. Après la rencontre technique que nous avons tenue à Kisangani, du 10 au 13 octobre, voilà que cette deuxième rencontre, la rencontre de restitution qui s'était à Kinshasa, a permis aux organisateurs de rendre compte du travail qui a été fait à Kisangani, mais dans la perspective de l'organisation effective de ce forum. Ils sont prêts à affronter les enjeux politiques de l'heure. Les cadres du Congrès national des Congolais, CNC, s'engagent à accompagner la candidature du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection en 2023. Les détails dans ce reportage de Junior Yangumba. Le parti cher à l'honorable Puisse Mwabilou, le Congrès national congolais, CNC en sigle. Fédération du Sud Kivu s'aligne derrière la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, leur candidat au scrutin de 2023. C'est la résolution principale de ces deux journées politiques du CNC organisées du 28 au 29 octobre dans la ville de Bukavu. Le président interfédéral du CNC, Poncien Moussemé Roy, a installé une commission de formateurs, de sensibilisateurs sous la nouvelle loi électorale et enrôlement des électeurs. C'était après son allocution politique standard adoptée à l'idéologie du parti CNC. Un message à la population congolaise, à la population du Sud Kivu, à la population de nos territoires, à la population de nos villes, quartiers, groupements ou chefferies, villages, de pouvoir se ranger derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prêt à surmonter le défi des Congolais sur le plan sécuritaire, social, développement. De se ranger derrière l'idéologie de son excellence, l'autorité morale, Pius Mwabilou, Mbaye Moukala. Le but de cette matinée politique avait pour mission de renforcer les capacités des cadres et de faire un état de lieu d'implantation des structures du parti, le Congrès national congolais, CNC, en sigle. Pour encourager les bons déroulements des activités parascolaires, les élèves du lycée Kimbiliyo de Goma viennent de bénéficier d'un stadium de basketball. Suivez. Inauguration ce vendredi 28 octobre 2022 du stadium de basketball du lycée Kimbiliyo et la remise des dons de machines à coudre pour le cycle professionnel. La cérémonie de la coupure du ruban symbolique a été effectuée par le chef des services provinciaux de l'éducation au Nord Kivu 1, Rouzouba Faustin, en présence du coordinateur communautaire des églises conventionnées protestantes 55e CPC, Mupenzi Nzarora, espoir des professeurs ainsi que les élèves. Chose est saluée par le chef des divisions Proved Nord Kivu 1 qui a remercié Aïchip pour
l'encadrement des jeunes dans le cadre du sport parascolaire. Ce projet a été réalisé grâce à la forte collaboration entre le lycée Kimbilio et l'association pour l'intégration de handicapés physiques, comme l'a indiqué Mme Hortense Kavuo-Madero, représentante légale de l'AECHIP, tout en exhortant aux bénéficiaires de veiller à une bonne gestion de ce matériel. Cette inauguration est un fruit de notre visite avec Mme Valérie Todnifer. Et c'est grâce au financement de sa fondation Stenastop que AISHP a pu financer cet ouvrage et espère que ce lieu va être un lieu où repose la paix, le savoir-faire et l'esprit d'équipe. Car le sport étant un vrai outil de communication et de transformation de la communauté. Les bénéficiaires à travers Augustin Bazimaziki, préfet des études du lycée Kimbilio, ont remercié AECHIP qui continue à plaider pour leur cause. Et nous, responsables de l'école, gardons toujours la main tendue devant notre partenaire AECHIP que vous représentez pour un autre besoin criant et qui entrave beaucoup le processus d'apprentissage de nos enfants de la haute couture. Il s'agit de manque d'un atelier, manque d'atelier pour la haute couture. Cette cérémonie a été sanctionnée par quelques démonstrations sportives en basketball. Les activités liées à la journée anti-sanction de la SADC ont été clôturées hier par une marche populaire. Plusieurs Zimbabwéens vivant à Kinshasa se sont mobilisés pour dire non aux sanctions américaines et européennes, nous dit Yvette Makuntima. Ils étaient nombreux devant les bâtiments de l'Union africaine, point de départ de la marche de protestation contre les mesures punitives imposées à leur pays. Les Zimbabwéens vivant à Kinshasa avaient un seul message, la suppression des sanctions américaines et européennes qui, selon eux, n'ont plus leur raison d'être dans un monde où le droit international n'est plus à géométrie variable. Le Zimbabwe salue la solidarité de peuples congolais qui ont marché avec nous dans l'espoir d'obtenir la levée des sanctions qui pèsent sur notre pays depuis 2001. À travers cette manifestation qui clôture la journée anti-sanctions de la SADC, nous véhiculons le message de désapprobation aux mesures punitives qui empêchent le développement du pays. Sous le leadership du président Emmerson Mnangagwa, le Zimbabwe a besoin de jouer pleinement son rôle d'antan dans le concert des nations. Cette marche organisée 4 jours après la journée anti-sanctions de la SADC, instituée depuis 2019, lance également un appel à la solidarité internationale pour relaxer les Zimbabwéens d'une avalanche des restrictions, entre autres l'interdiction de voyager, les transactions bancaires et l'achat d'armes. La marche de protestation contre ces mesures punitives s'est clôturée à la place Gare Centrale dans la commune de Lagombe. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Yolande Voka, coordonné par Marie-Louise Mbella dans une rédaction de Keren Kankolongo. Prenez rendez-vous dans une demi-heure pour une autre édition d'information qui vous sera présentée par Patrick Michel Mukui. Excellente suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Merci et au revoir.